m'avez dit que vous alliez au sud. Hop. Donc vous marchez, vous marchez pas longtemps, hein. C'est vraiment collé en fait, c'est la ferme qui est vraiment collée au sud de la ville. Et donc, Passer plus de temps à discuter qu'à marcher. voilà, exactement. Il y a rien qui se passe sur la route. Vous croisez des types, voilà, avec des seringues dans les bras, quoi. Ça commence à devenir habituel. C'est une mode. Là, c'est comme les piercings, mais avec des seringues. C'est quand on va pas voir les seringues qu'on va être sur. Ah, il a pas de seringue. Bon, on va lui en mettre une. Yes. Il est dangereux. Oh, Charlingham, c'est son aspirateur. Boop, forme de vie détectée. Allez, vous êtes C'est carrément Charlingham. Sauf qu'il a des bretelles québécoises. Donc, vous arrivez. Retenez ah, PX. Il a vu une femelle. Ah oui, c'est carrément Charlingham. Du coup, en fait, vous arrivez par, par ce chemin-là. Hop, celui-là. On voit toujours pas les noms des persos. Hein. Peut-être. Moi, j'ai juste le TX. Si je fais ça. Attends, peut-être que si je fais ça. Ah, oh, j'ai vu le nom de Dan. Ouais, j'ai Dan. Ça y est, j'ai compris. Bonjour, Dan. Je sais qui il est. Ça y est, tu peux pas nous le cacher. Oui, pareil. Tac. Au pire, c'est pas très grave. Ouais, non mais après. Fais pas tous les persos. Fais non, juste. Je vous mets les vôtres, juste. Nous. On est d'accord. Ça vous va. Ouais, parce que. Et Carla, elle est comment physiquement? Puis les persos importants, tu pourras les mettre en allant dans le jeu. Elle a des gros boobs, ça c'est sûr. Alors, très intelligente. Elle est très intelligente, physiquement. Et elle est bien portante. Du coup, quand vous approchez, donc vous avez Dan qui arrive vers vous, comme ça. Vous savez que c'est lui, on vous l'a décrit, hein, on vous a dit, voilà, c'est le bourru qui habite à la ferme. Ok. Donc Dan arrive comme ça et vous dit, je peux vous aider les gars? Il a un point d'interrogation au-dessus de sa tête. Ah, on n'a pas demandé à la nana c'était quoi le prénom de son Jules. Si, elle l'a dit. Ricky. Ah bon? Si, elle l'a dit, ouais, elle l'a dit. Ah oui, Ricky, oui, exact. Ouais. Oui, pardon. Elle l'a dit. Ricky à la houppe. Oui, il n'y a pas de Ricky. Il n'y a pas de Ricky sur la map, on est dans la merde. Il est caché dans la maison. Du coup, donc voilà, il s'approche de vous et il dit, je peux vous aider les gars? Non, vas-y. Il est où Ricky? Hello, Dan. Moi et mes serviteurs, on cherche quelqu'un. Du coup, putain de gosse de merde. Du coup, il a un petit serviteur. Il va mourir vite. Il a un petit serviteur. Voilà, ils vont je le chope à la tête. Donc il a un petit, voilà, il a un petit sourire et il dit, il a du cran ce gamin, ça me plaît ça. À la prochaine intercation de ce genre, ouais, on te fait découvrir ce que c'est qu'une tournante. et donc là, Dan part en pleurant. D'ailleurs, lui, de mauvais souvenirs. C'est ça. Pas ma jeunesse, non. Et donc il vous dit, ouais... Dany, une tournante, ouais, c'est de te mettre sur une roue et de voir ce qui part. Et donc, du coup, en fait, comme Joey s'est approché de lui et lui a dit ça, il regarde Joey et dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi, bonhomme? Il est super condescendant, il met les mains sur ses cuisses et tout, tu sais, là. Et alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux voir ce que j'ai dans ma poche? C'est pas mal en torche. Ah, Joey est en train de laguer. Il s'attendait pas à ce que le PN lui réponde. Je pense que connaissant le gamin, il dit oh, non, ce que t'as dans ta poche m'intéresse pas. Par contre, j'espère que cette fille là-bas, c'est pas ta fille. Et donc, en parlant de Carla, il se tourne vers Carla et te regarde. C'est ma femme. Oh, le mène est bien conservé. Ouf, pardon. Il regarde Alan et il dit descendez de cet arbre. Il le fait. Et donc, et... voilà, qu'est-ce que je peux faire pour toi, bonhomme? En fait, on recherche l'ex d'une meuf un peu angoissée et pour des capsules. En gros, c'est ça. Donc, est-ce que t'as entendu parler de ça? Alors, du coup, il te regarde, tu sais. Et tu sais, il est un peu étonné. Puis il dit d'accord. Et c'est qui ce mec? Et c'est qui la fille? Il s'appelle Ricky. Et je te préviens, j'ai pas inventé, c'est vraiment son nom de merde. Ok, donc, moins 15 d'expérience. du coup, il dit ah, mais Ricky, vous cherchez Ricky? Bah, il rigole avec du lag.
rire à retardement, c'est génial. Du coup, il dit non, il est pas là. Et puis non, effectivement, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Non, moi, en tout cas, je l'ai pas vu. Mais pourquoi vous le cherchez? Parce que c'est sa copine qui le cherche, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, il est mort, qu'elle termine. Ça se passe plus vite. On l'attrape par le callback, on le colle au mur et on le menace, et puis il va parler. Mais c'était quand la dernière fois que vous l'avez vu? Ah bah ça remonte, hein. Non, ça remonte. Elle avait dit il y a 3 jours qu'elle est partie, c'est ça, non? Ouais. Oui. Et donc bah lui il te dit non, moi, je sais pas, ça fait peut-être une semaine que je l'ai pas vu, je sais pas. Mais pourquoi? Il devait venir ici? Oui. Vous étiez au courant qu'il était avec Mona? Ah bah bien sûr, oui, je connais Mona, oui. Et c'était plutôt le genre de mec, un mec bien. Ah bah écoutez, ouais, effectivement, oui, c'est un mec bien, ouais. Il venait nous aider de temps en temps, lui filer quelques capsules, il restait un petit peu en ville, voilà, c'est un mec normal. Ouais, non, quand je disais normal, quand je disais un gars bien, c'était genre, je faisais référence à la fille, tu sais, genre... je voulais sous-entendre, ouais, mais il sait pas que. Mais je voulais juste sous-entendre par rapport à elle, est-ce que c'était un gars bien, quoi. Mmh. Bah, du coup, enfin voilà, lui il te dit ça, juste il te dit non, okay, c'est, okay. C'est un mec réglo, en tout cas avec moi, il a toujours été réglé. Et du coup. Voilà, donc en gros, ce qui se passe, c'est que Ricky a emprunté de l'argent à Mona, mmh. et Ricky avait simplement dit qu'il allait revenir d'ici 2-3 jours. Lui rembourser la somme, mais le problème c'est qu'elle a plus de nouvelles de lui, elle s'inquiète. Et ça... quand on l'a croisée à la taverne, elle nous a simplement demandé de voir si tout allait bien, s'il était bien arrivé à la ferme. D'accord. La ferme ici. Là vous avez Carla qui s'approche comme ça et qui a entendu un petit peu la conversation et qui vous dit ça fait combien de jours? Elle dit que voilà, ça fait combien de jours qu'il est parti? 3 jours. Bah, d'après Mona, 3 jours. D'accord. Donc là, en fait, vous voyez que Carla et Dan, ils s'échangent un regard comme ça. Et donc, Carla, elle vous dit, bah, écoutez, ça a peut-être aucun rapport. Mais effectivement, alors je pense que c'était il y a 3 jours, si je me rappelle bien. Et donc, elle appelle, vous voyez qu'elle se tourne comme ça, elle appelle Kenny, tu peux venir voir? Et donc, il y a le fermier Kenny qui déboule comme ça, qui passe à côté du super mutant en le regardant, c'est un peu... comme ça, là. T'as un problème? Non, j'ai une hache. Je n'ai pas de problème. J'ai un point de la taille de ta tête. Ça ira. Du coup, voilà, il continue son truc. Hop, tac. Et il déboule, il dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Et donc, il a dit, Kenny, c'était il y a combien de temps les coups de feu que t'as entendus? Et donc, il dit, à vue de pif, j'y reste il y a, allez, 2-3 jours. Carla, elle se tourne vers vous, elle dit, alors écoutez, ça n'a peut-être aucun rapport, mais effectivement, on a entendu des coups de feu. C'était vers l'est, hein, donc c'était dans ce coin-là, là-bas. C'est pas rare qu'on entende des coups de feu, parce que c'est un coin où il y a beaucoup de rats de scorpions, et il y a des goules sauvages. Je préfère être honnête avec vous, il y a des goules sauvages qui se baladent. Donc tous ceux qui passent par ce coin là-bas, voilà, c'est normal qu'il y ait des coups de feu. Mais je peux pas vous dire que ça a aucun lien, comme je peux pas vous dire que ça en est un. Je sais pas. Et vous pensez que ça a un rapport avec la disparition de Ricky? Ouais, c'est ce que je sais pas. D'accord. Et est-ce que vous savez que Ricky avait des problèmes ou pas? Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous avez vu un comportement particulier de sa part? Ah ben non, moi la dernière fois que je l'ai rencontré, non, ça allait plutôt bien. Effectivement, il avait emprunté. Je savais qu'il avait emprunté de l'argent à Mona, mais il était réglo, donc je pense qu'il voulait juste la rembourser. Après, pourquoi est-ce qu'il serait parti sur l'est? Je sais pas. Je sais pas trop. Surtout que s'il lui a dit qu'il venait travailler ici, mais je sais pas. Est-ce qu'il avait trouvé autre chose? Est-ce que... Mais je vous dis, hein, ça se trouve, ça a aucun rapport. Vous a rien dit. Vous a rien dit. Non, pas du tout. Nous, je vous dis, on l'a pas vu en tout cas ces derniers temps. D'accord. Donc voilà, elle vous dit que effectivement, elle a entendu des coups de feu à l'est. Une autre question, à tout hasard. Vous êtes dans une ferme agricole. Est-ce que vous faites de l'élevage de l'élevage bovin? Ça s'appelle des bramines. Oui, non, mais on va pas essayer ça, là, tu sais, c'est un peu chaud, là. En même temps, bovin, il y a que des bramines dans ce monde-là. Oui. Du coup, elle te dit, oui, effectivement, on a des bramines. Et donc, quand vous parlez de bramines, il y a Dan qui fronce les sourcils,
et qui crache par terre. Ah. D'accord. Bah, pas la ferme. Et donc voilà, il dit ouais, effectivement, ouais, on élève des brebis. J'observe une fuite. De quoi ? Avec le lag, on va pas plus comprendre. Non, rien, c'était une blague, mais c'était très avant. Donc à cause du décalage, laisse tomber. Okay. Je propose que tu la notes sur le sur le chat. Et en gros... Non, mais même quand je note des trucs, c'est en retard. Donc c'est pas la peine. Je viens de voir un truc, Dani, merci. Le coup de la taille de ton poing, j'avais pas vu. du coup, en fait, donc effectivement, il crache par terre quand on parle des brahmines et il dit ouais, mais. Il y a des enfoirés là qui viennent nous taxer, qui viennent nous taxer. Alors un coup c'est une brahmine, un coup je sais pas, ils nous piquent le fumier, je sais pas, et on sait pas d'où ça vient. Ah, ça nous intéresse. C'est aucune idée de l'identité de ces gens ni de la fréquence de ces enlèvements. c'est très souvent. Après moi et mon groupe sommes très intéressés par les matières fécales de vous. Non mais vous inquiétez pas, Dany est un peu scatophile sur les bords, donc je vis dans la région, merci de ne pas saloper ma réputation déjà que... Il te fait un petit clin d'œil, Dany. Il te voilà, vous connaissez, vous êtes déjà croisés, vous savez, enfin, voilà, il te fait un petit clin d'œil. Mais justement, ouais, je voulais demander, moi, pour la fréquence, il m'a répondu, c'est très très souvent. Ouais, c'est très souvent. En tout cas, le fumier, il dit, j'ai pas besoin, voilà, j'ai pas besoin de d'entasser mon fumier. Je voudrais réutiliser mon fumier pour mes champs, mais je peux pas, on me le taxe. Et les brahmines... Qui ? Ah, mais je sais pas, il te dit, je sais pas qui... Bon, on a compris. Vous voulez pas vous compromettre, d'accord. On a compris. Donc, alors du coup, en fait, il te regarde, Alan, il te dit, attendez, me compromettre. Donc là, il remonte un peu ses manches, tu vois. Il te dit, attendez, si je trouve les fumiers qui font ça, je les démonte. Les fumiers. Excellent. Ce jeu de mots est validé. Et, et du coup, il te dit, non, je les démonte. C'est bien compris. Oui, c'est compris. Là. Est-ce qu'on pourrait aller jeter un œil là où tu entreposes ton fumier, histoire de voir si on ne trouve pas des indices ou quelque chose. Cette histoire de disparition de merde nous intéresse. Mais il te dit, effectivement, c'est là où était Kenny juste avant. C'est ici qu'on entrepose le fumier, là, juste là. Donc là, c'est là-bas qu'il était. Très intéressant. Nous allons jeter un œil tout de suite. Pas de soucis, les gars. Il n'y a que toi qui peux le faire pour de vrai. Ah oui, je peux jeter un œil. Mais le remettre prend du temps. Striker. Désolé, je... Oui, je sais. Striker, quand tu... Je perds 3 points d'intelligence. Boop, comment tu veux être agréable. Je vois que tu es proche du, voilà, du cérébrote, là. Quand tu t'approches, oui. Enfin, tu vois qu'il bug complet le truc. Il est complètement buggé. Il sait pas ce qu'il fait. Enfin voilà, il gratte de la terre, il ramasse des feuilles, il les repose plus loin. Voilà, il fait n'importe quoi. Je crois qu'il a un problème, le robot. On va revoir. Je vais voir Dany pendant que les autres ils observent le fumier. Je lui dis, je vois que vous avez. Est-ce que votre robot fonctionne correctement ? Il y a pas l'air. Oh là là, non, le cérébrote là. Ah non, c'est une vieille, c'est un vieux truc qu'on a récupéré. On voulait qu'il nous aide sur les champs, mais il est incapable de rien faire. Il fout plus le bordel qu'autre chose. D'accord. Et Dany, parce que nous, on a... Hey, gamin, descends du toit là-haut. On aurait peut-être Dany qui serait capable de jeter un œil, mais Joey, le jeune garçon avec qui que vous avez discuté tout à l'heure, il n'a pas l'air trop mal doué avec les robots, puisqu'il a réparé le. Ah bah écoutez, à côté de nous. Si vous arrivez à le réparer, les gars, il n'y a pas de souci. Allez-y, essayez de faire ce que vous pouvez. Le chien, viens voir. Écoutez, les gars, si vous me le réparez pour qu'il puisse m'aider dans les champs, je vous file de la maille. Je vous file 5 kilos de merde de vache. Ah merci, c'est vraiment trop sympa. Bah non, il peut pas, il y en a plus. Est-ce que Joey est en capacité de le réparer? Moi, je peux le démonter. Est-ce que quoi est en capacité quoi? Est-ce que Joey est en capacité de le réparer?
Et ben donc tu vas me faire si tu veux tenter de le réparer, tu vas me faire un test. Non, je veux pas tenter, je veux juste savoir si j'en suis capable. moi je suis moins timoré que lui, tu sais, je mets les mains direct. Alors du coup, être capable, tu sais. Mais ça, on avait compris que tu mettais les mains direct. Hein. C'est pas question d'être timoré, c'est juste attention, on négocie. Qu'est-ce que j'y gagne, moi, dans l'affaire? Alors, il a dit on gagne de la maille, on gagne de l'argent. Dan a bien précisé que voilà, il vous filerait des capsules, effectivement. Moi je l'ignore complètement et je commence. Ok, 80% pour moi et 20% pour vous. Mais rien du tout. C'est quoi ce gars? T'as vu comme il négocie? Tiens, je jette moi un des 20. C'est quoi, c'est intelligence? Déjà, Joey, excuse-moi là. Je vais pas être plate. Je veux pas être plate, excusez-moi. Si j'utilise des termes québécois que vous comprenez pas, dites-le moi, je fais plus attention. Je veux pas être méchant, mais c'est pas toi qui a posé la question pour le robot. Hein, pourtant, t'es un technophile, t'es un gars qui s'occupe des robots, qui est capable de les réparer. T'aurais dû voir qu'il marche pas, le robot. Oh là là, c'est incroyable. Martin, c'est juste que j'avais d'autres centres d'affaires. Voilà, donc Daniel ne sait rien faire, comme je l'avais prévu. Maintenant, on reparle de mes capsules. Donc Dany, du coup, ouais, tu essaies de gratouiller et tu vois qu'en fait, effectivement, tu comprends rien à ce qui se passe dans les fils à l'intérieur de ce robot. Laisse, tu sais pas faire, moi je vais essayer. Attends, doucement. Intelligence, c'est ça? Ouais, j'ai d'intelligence et si vous avez la compétence réparation, vous pouvez l'utiliser. Non, j'ai pas de compétence. En plus, moi je l'ai pas encore. Le seul modificateur que j'ai en intelligence, c'est moins 2. Attends, moi je vais regarder. Du coup, on est bien sur 80%, 20%? Non, t'as rien foutu là. T'es même pas capable de le réparer, tu veux de la maille. Arrête de conneries. Après, il peut tester, hein, y a pas de. Mais du coup, quand t'as pas la compétence et que tu te grattes le front devant, là, tu fais rien. Ouais. Moi j'attends stoïque avec mes bras le long du corps, comme ça. Alors, ce que je vais faire, bon, j'ai pas la compétence. Alors, on négocie. J'ai pas la compétence réparation, par contre j'ai quand même beaucoup d'intel, donc peut-être que ça. Oh, ça c'était roleplay. Ça c'était. ça c'était roleplay. Donne-moi ça. Oh. Du coup, qui veut tenter d'essayer de gratouiller là? Moi. Ok, allez, vas-y. S'il rate pour le fun, je le fais aussi. Ah, il fallait ajouter l'intel. Alors. C'est un On avait dit combien de capsules pour. Fallait que je mette. Merci Alan. Alors attends, parce que. Là, j'ai échappé aux critiques, alors, hein, les gars. Alors attends, là tu. J'ai échappé aux failles critiques. Donc attends, parce que. Donc tu as juste lancé ton D20. Ton intelligence, elle t'ajoute plus 3. Donc en fait, t'as fait 5. Ça fait 5. Ouais, donc ça fait 5, puisque tu n'as pas de compétences de réparation. Et moi j'avais fait 12, j'avais pas fait 9. Tu avais fait 12, ouais. Donc ça passait pas non plus, tout ça. Ok. Donc là, à 5, en fait, quand tu essaies de gratter les fils, Alan, tu vois que ça fait des courts-circuits carrément. Et plus ça va, plus c'est la misère dans les fils. Bon, bah j'arrête les conneries. Attends, je vais essayer, moi. Alors, moins 2 de modification d'intelligence. Oh là. Oh là! Bim! Vous avez toujours pas parlé de ma paye. J'ai fait 16. Donc là, du coup, Striker, alors on sait pas comment Striker arrive à faire. Il arrive, il fait un micmac dans les fils, il arrache des trucs, il entortille certains. Il met un grand coup de paume de main sur un capteur, machin truc. Et là, tac, il y a le. En fait, c'est un cérébrote. Le cérébrote, en fait, c'est un robot. Et au-dessus du robot, il y a une espèce de dôme avec un cerveau à l'intérieur. C'est un vrai cerveau humain. D'accord. C'est un vrai cerveau humain, ouais. qui est raccordé après à de l'électricité et tout ça. Donc ça s'appelle un cérébrote. Et donc là, le truc, tac, ça s'allume. Et il se met en marche, tac. Et direct, le robot, il part comme ça, tout droit là. Tac, tac, tac. Et il va commencer à ranger des trucs, il va rafistoler la brouette, vous voyez qu'il se met à faire des trucs et c'est logique ce qu'il fait. Et je regarde Striker, je fais surprenant. je vais vous avez la preuve que Frankenstein ici présent est plus malin que vous deux réunis. Félicitations les mecs.
Pour quelqu'un qui s'est contenté de laisser ses mains dans ses poches et qui ne sait pas réparer son propre robot, tu parles beaucoup. Et qui demande 80% de la paye, hein. Ah, tu parles beaucoup, oui. Oui, oui, mais moi, je viens pas de me ridiculiser devant une triple buse de super mutant. Du coup, Dan, effectivement, il voit ça, il voit le robot commencer à faire le truc. Il voit que le robot, il fait des trucs logiques et que voilà, il est parti pour faire des trucs bien. Il rentre dans la baraque, vous voyez qu'il disparaît pendant 5 minutes et il ressort avec carrément un sac de capsules. Il vous dit, bon, à vue de pif, il y a 300 capsules, les gars. Je vous remercie parce que ça va bien m'aider, cette connerie. Ok. Il balance le sac de capsules à Striker. On marque sur l'inventaire, à vue de pif, 300 capsules. il balance le sac de capsules à Striker. Oui, oui. J'ai gagné 300 capsules à vue de pif. Là, je regarde Choué, je lui dis, maintenant, va lui demander les 80%. Donc je me rajoute. Non, mais on partage équitablement, on est une équipe. C'était un travail d'équipe, oui, tout à fait. Bon, bah moi je vais observer un petit peu là où il entrepose le fumier. Ouais, ok. Et regarder sur le sol s'il n'y a pas des marques de pompe, s'il n'y a pas dans les environs proches des traces de peut-être véhicules, je sais pas. Alors du coup, quand tu regardes ça... Fais-moi un jet de perception, ouais. Ouais, ce que j'allais dire. Fais-moi un jet de perception. J'ai un point en survie. Ouais, est-ce que ça m'aide? Oui, tu peux mettre la survie avec, ouais. Ouais. 12. Putain, c'est peu, hein, vache. Du coup, effectivement, tu vois des traces de pas. Ça fait des cercles là-dedans. Tu arrives pas à savoir si, en fait, tu sais que Kenny là, il était en train d'y bosser tout à l'heure. Parce que tu sais qu'au tout début, quand vous étiez, il y a bossé. Tu arrives pas à déterminer si les empreintes, elles sont de Kenny il y a 5 minutes ou si elles sont vieilles d'il y a 3 jours, d'il y a une nuit, d'il y a plusieurs heures. Mais il y en a, ouais. Y a pas mal. Et le tas de merde, il commence à être gros là en ce moment ou pas? Moyen. Il n'y a pas grand chose. Effectivement, il n'y a pas grand chose. Il y a juste un tout petit tas là et c'est vraiment pas grand chose. Seule chose aussi que tu peux remarquer, c'est que par contre, tu vois que y a, les traces de pas, c'est pas les mêmes. C'est-à-dire que voilà, tu sais que voilà, il y a par exemple les chaussures de Kenny, mais il y en a d'autres. Après, à déterminer si c'est voilà, tu sais pas. Pas de traces de pieds surdimensionnés comme un super mutant, pas par du, exemple. Pas du tout. Okay. Après, plus loin, tu vois effectivement, quand tu m'as parlé de véhicule, tu arrives à repérer effectivement des traces de véhicules plus loin sur l'est là-bas. Enfin, en fait, en d'accord. Gros, sur la route. Vraiment, les traces, tu les observes, elles sont assez éloignées. Tu sens que les mecs, en gros, ils se sont pas posés ici pour recharger. Ouais, ok. Voilà, c'est tout. Ok, très bien. Donc, mec transporte de la merde de là jusqu'à là-bas, sûrement dans leurs mains. Ou... C'est possible. On cherche un mec à qui, quand on serre la main, c'est assez désagréable et chaud. Merde. Très bien. je n'ai pas trouvé d'indice spécialement compromettant, Alan. Apparemment, beaucoup de gens semblent marcher ici. Il y a des traces de véhicules par là-bas, mais guère plus. Moi, je retourne voir Kenny. J'allais dire Kenny, lui, il va commencer à revenir bosser, à remettre le tas de fumier. Donc, si tu t'approches de lui, il te dit. Il y a un chemin là, c'est pas là-bas. Ouais, Kenny, tu me disais tout à l'heure que tu avais entendu des coups de feu dans cette direction-là. Non, tout à fait, oui. Et donc, nous sommes à la recherche de Ricky. Et est-ce que tu penses que c'est lié à sa disparition? Ou est-ce qu'il a disparu avant les coups de feu? Ou il a disparu après les coups de feu? Ou pendant les coups de feu? Alors, ça, Kenny, il te dit, j'en sais rien, moi, les gars. Je sais juste ce que j'ai entendu. J'ai entendu des coups de feu. Et c'était il y a... Ouais, je dirais que c'était il y a 3 jours, hein, je me rappelle. Mais est-ce que Kenny était à la ferme à ce moment-là avec vous ou pas du tout? Ou est-ce qu'il était avec vous? Ricky? Ricky, pas, non, pas du... Kenny, non, non, justement, Ricky. Il te dit... Ah non, pas du tout. Non, on l'a pas vu, Ricky. Non. Il est jamais venu à la ferme? Non. Lui, eux, ils te disent que... Il n'est que bossé, quoi. Il est pas venu à la ferme récemment. Ce qu'il nous a dit, ça fait au plus d'une semaine qu'il l'a pas vu. Je te dis, après, effectivement, c'est possible qu'il soit allé dans ce coin là-bas. Effectivement, ça grouille de...
de ghouls, de rats scorpions, Kenny, il peut vous dire que effectivement la peau de rat scorpion et les queues de rat scorpion, c'est recherché pour, bah, par exemple par le médecin. La queue de rat scorpion, il y a du venin dedans, elle peut s'en servir. Les ghouls, souvent, elles ont quelques capsules sur elles, ce genre de choses, et du matériel. Est-ce qu'il n'est pas allé dans ce coin-là pour essayer de récolter plus vite des thunes? Voilà, c'est tout ce qu'il peut vous dire. Ça. Il peut dire peut-être qu'il est allé là-bas faire faire le plein de matos et puis le revendre, peut-être. Moi, je pense que notre ami est tombé sur les gens à qui appartiennent cette race de pneus. Bon, parce que... Donc, c'était sale. Non, mais même sans faire un vieux jeu de mots avec les traces de pneus, je dis à mes comparses que il est probable que, comme c'est à côté, ils soient peut-être tombés sur les mecs qui volaient le fumier juste derrière. Là. C'est dans la même direction, oui. Effectivement, oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va là-bas? Allô? On fait un petit tour là-bas? Moi, je vous propose d'y aller et puis de revenir ce soir pour essayer de tendre une embuscade à tous ces voleurs de fumier. C'est dans la même... On m'entend ? Oui. Oui. C'est dans la même direction que lui a disparu, que là où il y a les traces de véhicule ou pas ? Alors, les traces de pas, elles sont juste là. Les traces de voiture, elles remontent vers le nord. D'accord, parce que lui, quand il nous dit j'ai entendu des coups de feu par là, ouais, genre il nous indique pas à peu près l'endroit où il y a des traces de. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Ok, d'accord, très bien. Non, il vous indique clairement que c'était sur la droite là-bas. Et non, par contre, okay. Les traces de pneus de la bagnole remontent. Sont par là-bas. Voilà, ok. Remontent après par le nord. Du coup, vous très décidez bien. D'aller vers l'est ? Les gars, vous voulez faire un tour, s'amuser avec les rats scorpions et les ghouls ou Oui, fight. Monter du scorpion. Un peu de fight quand même, parce que là, on a vraiment bien tapé. Hein. Allez, donc vous décidez d'aller voir si vous trouvez pas copain Ricky.